Not. Nat, lève-toi. Il est déjà 13h. Tu as loupé le petit déjeuner. Tu commences à déjeuner avec nous. Tu n'as déjà dû sur la table. Je n'ai pas faim. Encore? Attends, jusqu'à quand? Jusqu'à quand est-ce que cette histoire va durer? Ne penses-tu pas qu'on souffre déjà assez? Jordi, s'il te plaît, j'ai besoin d'être seul. Comme toujours. S'il te plaît, frangin, fais au moins un effort pour Jen et moi. Nous t'attendons pour manger. Et s'il te plaît, pense à ranger ta chambre. C'est une véritable porcherie. Enfin, tu as décidé de sortir de ta tanière. Il y a aussi de l'eau, au cas où tu aurais oublié, vu que tu n'en consommes plus. Lâche cette bouteille. Lâche ma main, tu me fais mal. Mais Garma, tu fais le tout là comme tu connais, Nanon. Oui, ne change plus rien. Fais comme on a dit là. Non, on ne peut plus changer, on ne peut plus changer. Georgie, tu es avec nous? Ça se voit qu'il n'est pas avec nous. Désolé les gars, c'est la situation de mon frère qui me préoccupe. Donc ça ne va toujours pas? Je ne sais plus quoi faire. Il se grogue encore? J'ai l'impression que ça va de mal en pire. Et depuis, je me sens impuissant face à sa souffrance. Franchement, s'il n'a pas envie d'aller mieux, ce serait impossible que tu l'aides. En effet, il faudrait que ce soit d'abord volontaire. Je dois l'aider, j'ai peur du pire. Il pense toujours que c'est de sa faute et depuis, il s'est braqué. En même temps, il a vécu un véritable traumatisme. Laisse-le, il a besoin d'être seul. Ah!
Salut, Jordi. Salut, Gina. Comment est la journée? Fatigante. Les coups deviennent de plus en plus intenses. Je vais me doucher et préparer le dîner. Ne t'en fais pas pour le dîner. Je m'en occupe. Merci, tu me souffres vraiment. Tu fais quoi? J'ai fait quelques petites recherches. Je veux savoir à quelles menaces on fait face en ce qui concerne Nathan. Tu fais bien, il est là. Non, je l'appelle, il ne répond pas. Et il a complètement abandonné les cours. Ouais. Cette situation ne peut plus durer ici. Papa et maman n'auraient jamais souhaité cela. Voilà, la journée, c'était trop, trop bizarre pour moi, je t'assure. Non, la journée n'a pas été bonne. Simplement parce que vous ne pensez pas avec la tête. Le cérébral, con. Vous êtes là constamment avec les muscles, non. Soyez posé. Soyez posé. Parle pour toi là-bas. Quand ça ne va pas chez moi, moi je frappe. Parle pas beaucoup. Alors, mon petit, tu es venu avec ce qui me revient de droit? Je vais te voir la pâté, s'il te plaît. D'accord, viens. Laisse-moi un peu seul. Prends ma cop. Mon petit, ramasse ça. Alors, mon petit, tu as quoi pour moi? Bref. Je n'ai pas pu trouver l'argent que je te prends. Je vois vraiment que tu veux que je te montre mon côté noir, n'est-ce pas? Et si c'est le cas, crois-moi, tu seras très vite servi. En fait, accorde-moi un peu de temps. Bon. Bon, je te donne encore une semaine. What? Tu pourrais m'ajouter quelque chose sur ce que je te dois déjà. Mon petit, tu es fou ou quoi? Tu vis dans quel monde? Où as-tu vu qu'on ajoute la dette sur la dette? En fait, c'est que j'en ai vraiment besoin. Fais-moi cette faveur. J'en ai vraiment besoin aujourd'hui et maintenant. Écoute-moi très bien. Si tu ne veux pas repartir d'ici avec les os brisés, barre-toi très vite et ne reviens ici que dans une semaine avec mon argent. C'est clair? Évapore! Le dîner est prêt, mais je préfère qu'on attende le temps pour manger. Je n'ai plus faim. Bonsoir, Lina. Bonsoir. Désolée de venir chez vous à l'improviste, c'est juste que depuis un certain moment, je me suis sans nouvelles de Nathan. Je l'appelle, il ne décroche pas, je lui envoie des messages, il ne répond pas. Et depuis, il n'est pas présent en classe. Actuellement, il n'est pas là. Lorsqu'il rentrera, je vais te demander de te faire signe. Promis. D'accord. C'est vraiment important qu'il me fasse signe. Son silence m'inquiète. D'accord, je le ferai. Au revoir. Ok, bonne soirée. Même sa copine n'a aucune nouvelle de lui. Ça commence à devenir inquiétant.
Il n'est pas trop tôt. J'ai besoin d'argent. Pour en faire quoi? J'en ai juste besoin. Vous n'avez pas besoin de savoir ce que je vais faire avec. Dis-nous ce que tu veux faire avec l'argent. Vous me donnez cet argent, oui ou merde? Baisse de ton. À qui tu peux t'adresser ainsi? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Foutez-moi la paix. Tu vas tout de suite m'arrêter ça. Tu pensais être la seule personne à être touchée par la mort de nos parents. Tu n'étais pas là ce jour. Tu n'étais pas dans la voiture au moment de l'accident. Ce n'est pas devant tes yeux que les parents ont rendu là. Ce n'est pas parce que papa te grondait qu'il a perdu le contrôle du volant. Oui, tu as subi tout ça. Mais ça te donne pas le droit de te détruire. Ce n'est pas toi qui vis avec ces remords. Ce n'est pas de ta faute ce qui est arrivé. Tu connais au moins les conséquences de cette vidéo que tu consommes. S'il te plaît, laisse-nous t'aider. Nous sommes là pour toi. Nous t'aimons. Si vous voulez vraiment m'aider, alors effacez ce souvenir de ma mémoire. Nathan, arrête! Arrête! Tu vas te faire aider! Des griots de force! Tu vas vraiment oublier! Oui, je vais! Tu vas vraiment oublier! Oui. Vas-y, oublie! Tu vois? J'ai juste besoin d'argent! Arrêtez, s'il vous plaît, j'en peux plus! Nathan! 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 J'ai perdu mes parents dans un accident de circulation dans lequel j'étais. Mais je me demande pourquoi je ne suis pas mort aussi. Et c'est quand mon père me parlait, très en colère, qu'il a perdu le contrôle du volant. Depuis, cette scène me rentre l'esprit. Et c'est seulement quand je plane que j'arrive à tout oublier. Mais hélas, c'est juste temporaire. Thank you.